C'est parti, on est en live. Ok, super. Bonjour à tous. Alors, on va laisser quelques secondes pour que les premières personnes se connectent. Ici Alexandre et de nouveau accompagné d'Anita. C'est chouette. On a fait un premier live, c'était il y a 3 semaines sur l'ego spirituel. Il avait bien plu, on s'était amusé dedans, on avait appris pas mal de choses. Là, on enchaîne avec l'acte 2 et dont le sujet est l'ego, l'âme et le soi. Alors, Anita, avant de te laisser la parole et avant d'attaquer, rapide, très rapide retour sur le premier live où on avait vu notamment qu'est-ce que l'ego, la construction du moi, qui permet de considérer l'intérieur et l'extérieur. On avait parlé de la différence entre savoir et connaissance. Oui. Okay, que le savoir, c'est bien, mais que expérimenter, c'est mieux. Mieux. Et ensuite, on était passé sur l'ego spirituel qui en soi est un non-sens, et avec les signes qui ne trompent pas, et avec notamment cette question de la spiritualité, et notamment cette jolie définition que la spiritualité, c'est la joie et que c'est savoir ce qui est bon pour soi. De ce premier live est née l'idée d'en faire un second. On avait aussi sondé un peu les participants et participantes sur un sujet qui te tient à cœur, à savoir l'ego, l'âme et le soi. Il va se composer de 3 parties. D'abord, un rapide retour, sachant qu'on le veut vulgariser. Okay, ce n'est pas non plus pour être trop théorique. Simplifier sur l'ego. Après, on va parler de ce ressenti et comment se rapprocher de son âme ou du mot qu'on préfère utiliser. Et ensuite, pour aller vers le soi. Et à la fin, pour celles et ceux qui seront là, et on en parlera plus longuement dans la semaine, on aura aussi un petit truc à vous proposer qu'on a concocté avec Anita. Voilà, j'ai fini le monologue. Anita, comment vas-tu? Et est-ce que tu es prête pour ce live? Ah oui, je suis prête et je suis ravie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette partie 2. Oui, la partie 1 demandait d'aller un petit peu plus loin, une petite friandise supplémentaire. Et donc, je suis prête. Je suis Ok, prête. super. Donc, si tu veux bien, on commence là. De par ton expérience, de par ton expertise, est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de l'ego enfant et qu'est-ce L'ego que ça enfant, implique? voilà. L'ego enfant qui vers l'âge de 5 ans, a besoin de se séparer, entre guillemets, de la fusion maternelle. Et donc, c'est la fonction de l'ego, c'est de se sentir séparé. Il a déjà des besoins, pas d'autonomie, mais voilà, de faire à sa façon, de penser à sa façon. Et c'est à ce moment-là, à cet âge-là, qui va mettre en place des protections. Hein, on a vu que la fonction de l'ego était essentiellement de se protéger et d'apprendre à survivre dans son environnement. D'accord? D'apprendre à s'insérer dans son environnement. Alors, ça va être l'école, la famille, les petits copains, etc. Pourquoi d'apprendre des protections? On a vu que la peur, derrière l'ego, il y a la peur et surtout la peur du rejet, hein, la peur d'être rejeté. D'accord? Donc, on reparle de l'ego à ce moment-là, qui est le masque, la persona, hein, la personnalité, donc qui n'est pas qui tu es vraiment. Hein, c'est donc le masque qui te permet de survivre et de surmonter bah, toutes les petites épreuves de l'enfance. D'accord? Et je répète, l'école, le social, la famille, etc., etc. Toutes les interactions. Et toutes ces protections donc vont fortifier l'ego. D'accord? Pour s'affirmer, par exemple, ton fils, pour s'affirmer, il va développer son propre ego. Donc tout ça, J'ai c'est la... hâte. Pardon? J'ai hâte. Ah. Tout ça, oui, on en reparle. Donc tout ça va venir fortifier donc cet ego qui, bien évidemment, je répète, contient donc le masque, les protections, la possibilité de s'intégrer par rapport à peut-être une sensibilité particulière, etc., etc. Donc, on va maintenant aborder l'instance de l'âme. Et parfois, on parle de la traversée
train d'une traversée pour aller se connecter à son âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? Chacun l'appelle comme il le souhaite. Vraiment, c'est libre. C'est dénué de tout dogme. C'est, voilà, chacun d'entre nous a une âme. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être trop pointilleux et académique sur le terme. Non, non. L'âme, ça peut être l'intuition, ça peut être une énergie que tu vas ressentir. C'est très personnel, c'est très intime. Cependant, elle existe. Hein. C'est Jung qui a été le premier à évoquer les notions de l'âme. Et moi, j'ai été formée dans une école jungienne. Et c'est vraiment une instance que nous comportons tous. Alors, on l'appelle comme on veut. Clairement, c'est libre. C'est intéressant. Personnellement, après 30 ans d'accompagnement, depuis 30 ans, j'accompagne des thérapeutes, des coachs et puis des particuliers, eh bien, j'ai envie de la nommer, l'âme, j'ai envie de la nommer cette partie de toi qui sait. D'accord ? Et tu constates lors des accompagnements que, effectivement, en tant qu'accompagnants, nous sommes des passeurs. Nous sommes des accompagnants. Donc, en fait, on autorise cette instance à se révéler. D'accord ? Et j'ai une question. Tu vois, j'ai une question. Selon toi, quelles seraient les qualités de l'âme ? C'est une bonne question. Oui. Les qualités de l'âme ? Oui. Je ne sais pas. Je le définirais comme quelque chose de tranquille, de bienveillant, de doux, de puissant aussi. Ah, tu vois. Donc, tu vois que tu peux en parler très librement. Hein. Si je t'autorise, si je te pose la question et je t'autorise à déposer les choses et ce que tu en penses et ce que tu ressens surtout. Ouais. Les qualités, eh bien, l'âme, elle reconnaît ce qui est bon pour soi. Elle reconnaît ce qui est vrai. Et elle reconnaît ce qui est beau. Tu vois, ça, ce sont ses qualités. Bon, et vrai et beau. Ouais, le bon, le vrai et le beau. Et le bon, la brute et le méchant, mais en meilleure version. D'ailleurs, celles qui sont en direct, si vous. Parce que Anita vient de dire qu'on peut l'appeler comme vous voulez. Oui. Peut-être que vous avez un terme. Je vois Gaël, Hello, coucou Zala. Si vous avez, vous, un terme qui vous tient à cœur. Ça serait intéressant de le partager. Avec donc, plaisir. Le bon, le vrai et le beau. Oui, oui. Et ça, alors, bien évidemment, tu peux l'apprendre. Hein, tu peux apprendre à observer le beau, à identifier le beau, le bon, le vrai. Cependant, quand tu le ressens et que tu, quelque part, une instance en toi te dit « ça, c'est bon pour moi ». Et c'est un peu aussi ce qu'on apprend, vers quoi on emmène nos clients. « Ça, c'est bon pour moi. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est… » authentique, ça me parle, et le bon, tu vois, la bonté, ça peut être la bonté, ça peut être, et le beau, et le vrai, tu vois, alors tout ça, ça nous parle, tu vois, quand on autorise cet espace, donc elle sait, on part du principe qu'elle sait, et pour moi, c'est la partie de l'autre qui sait, la partie de mon client qui sait, le flux, l'axe primordial, intéressant, oui, le flux. Oui, c'est ça. Le flow aussi. Ouais, ouais, au final, c'est ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce terme de flow parce que ça me parle et parce que je vois le rapport avec l'océan. D'ailleurs, là, de mon bureau, j'ai vu sur le canal et je vois toujours les petites ondulations et je trouve ça fascinant. Franchement, ça me fascine. Et, mais c'est ça. C'est le mouvement, c'est l'intuition, c'est le mouvement de la vie. Ouais. Ouais, avec une notion de justesse, tu vois, pour soi. Tu vois, ça, c'est fluide en soi. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on sort, ça ne cohabite pas avec l'ego, qui est impatient, qui veut. Hein, quand tu dis « je veux » ou « je veux pas », c'est l'ego. Parce que l'âme, elle sait. Je répète, c'est vraiment d'autoriser cet espace pour révéler l'essence de qui tu es. C'est vraiment ça. Donc, elle ne connaît pas l'impatience. Elle ne connaît pas, elle n'a pas la notion de temps, tu vois, et elle n'a pas la notion de la distance. Hein, tu t'aperçois que bon, quand je travaille en transgénérationnel,
c'est d'âme à âme, hein, c'est le travail d'âme à âme, et quelle que soit la distance, ça agit. D'accord ? Donc, elle n'a pas non plus la notion de contrôle. Hein, l'ego veut tout contrôler. Bon, sachant que c'est une illusion, hein, le contrôle. Et l'ego veut contrôler. Donc, on voit bien que il va se passer quelque chose. Alors, à quel moment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as une envie, un besoin de te relier à quelque chose, tu vois, sachant que en regardant l'ego en face, et sans le diaboliser, hein, il a sa fonction, l'ego, on est tous d'accord, l'ego sépare, l'ego divise, d'accord, il est fait de contraction, il est fait de résistance à aller vers soi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'être humain a besoin de se relier à quelque chose, a besoin de se connecter au tout, tu vois, à l'unité. Eh bien, ce sont les crises existentielles, ce sont les grosses remises en question, ce sont les midlife crises, tu sais comment on les appelle, les crises du milieu de vie qui te demandent à entrer à l'intérieur. Tu vois, ouais. Et à ce moment-là, il y a cette instance qui s'appelle l'âme qui est disponible. Et alors, sans cliver, tu peux traverser toute une vie sans te connecter à ton âme. Cependant, si cette instance, si tu ne reconnais pas cette instance de l'âme, elle va se manifester. Tu ne le sais pas, mais elle va se manifester au travers de fissures, de failles, tu vois, à l'intérieur de toi, justement au moment des crises existentielles, ça va apporter des moments de trouble, ça va apporter les burn-out, ça va apporter toutes les résistances, ça va mettre en exergue les résistances de l'ego. C'est-à-dire que plus, et ça c'est mécanique quelque part, plus on va l'étouffer, plus oui. En réaction, elle va pas forcément, mais en tout cas, elle va faire en sorte de montrer qu'elle est toujours là et qu'elle est disponible. Peut-être elle va manifester des choses qui effectivement sont de l'ordre des troubles et de la souffrance. Tu peux constater, écoute, tu accompagnes des clients, j'en accompagne et je m'aperçois que lors de moments de grandes épreuves, eh bien, il y a une instance, une intuition qui t'emmène à te reconnecter à l'intérieur. C'est ça, le travail. Comme une évidence. Tu vois, ne plus te sentir séparé du monde. Savoir que voilà, ce que tu traverses, tu as forcément un message, même si c'est difficile. Et que parfois, les personnes changent littéralement de vie après des crises existentielles et des épreuves. Et ça, c'est beaucoup vu, notamment avec, la crise dont on sort à peine de Coco. Ouais. Est-ce que celles et ceux qui sont en ligne, ça vous parle? Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pu vous connecter de façon plus intense et profonde sur des moments importants de votre vie? Ça serait intéressant de voir si c'est quelque chose qui fait écho chez vous. Alors, tu ne te dis pas, je vais téléphoner à mon âme, hein. C'est pas ça, ça se passe pas comme ça, mais c'est proposé, si tu veux, c'est la manifestation, tu vois, de cette instance qui te dit, ben voilà, tu n'es pas différent, nous sommes tous uniques, mais pas différents, on aspire à se relier, on aspire à l'unité, tu vois, on aspire à l'universel. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui... Et c'est OK pour ceux qui ressentent ni le besoin ni l'envie de... Eh bien là, on voit les scénarios répétitifs, c'est-à-dire les pathologies chroniques, c'est-à-dire... alors, j'aime pas du tout la notion d'échec. Hein. Pour moi, l'échec, c'est une expérience qui ne déroule pas comme tu l'aurais souhaité. Mais tu vois, les blocages qui se répètent de plus en plus fort,
tu vois, Jung, je ne sais plus qui disait ce qui ne monte pas à la conscience, je pense que c'est Jung, te revient sous forme de fatalité, se répète. Et à ce moment-là, tu fais le choix et tu vas voir qu'on va le développer tout de suite après. Tu peux tout à fait passer à côté. Et si tu te laisses inviter dans cette instance de toi qui, justement, va te ramener, va te donner peut-être la notion de sens de ta vie, de la valeur de ta vie, c'est ça qu'elle te propose là. Elle t'invite à repenser le sens de ta vie, peut-être, ou à trouver le sens de la vie tout court. Tu vois, sachant que nous sommes tous reliés. Et ça, tu constates que ça ne va pas avec l'ego, parce que l'ego, il dit non, moi, personne ne peut m'aider, moi, c'est pas pareil, c'est différent, oui, mais moi, je traversais ça et ça. Donc, il y a Lorenzo, Laurent, salut, Lorenzo, cool. C'est un copain de très longue date du primaire. Lorsque tu ne te connaissais pas, tu peux rencontrer des soucis psychosomatiques. Absolument. Et des répétitions, tu vois, des répétitions de scénarios, qu'ils soient personnels, professionnels, des scénarios que tu connais, des obstacles que tu connais mentalement, que l'ego connaît mentalement, mais des obstacles vers lesquels il n'a pas envie de remettre en question, quoi. Il n'a pas envie de remettre en question, de se remettre en question. Alors, lorsque ça se manifeste... Juste Sandra qui dit « Coucou Sandra, en plein midlife crisis, j'écoute plus ce qui me correspond et je laisse partir des gens, des choses, des croyances. » Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et c'est très intéressant, Sandra. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est le même principe que les croyances. Non, on ne dégomme pas les croyances. On les transforme et on ne dégomme pas non plus l'ego. Parce que grâce à toutes ces traversées de l'ego, un jour, tu te dis... Ah, j'en ai marre. Et puis, tu vas aller à l'intérieur. Ouais, c'est le chemin de chacun. C'est le chemin de chacun. Si il correspond à un choix. Tu vois, on ne va pas faire de prosélytisme. Sachant qu'il y a une instance disponible en nous qui est prête à nous donner des réponses, à nous... mais tu y vas si tu le décides et si tu le choisis. Et c'est ce que propose l'âme, c'est de lâcher prise. Dans le sens où, lorsque tu n'as plus de certitude, lorsque tu n'as plus de résistance, lorsque tu n'as plus de, tu vois, tu n'es plus dans le combat de ce qui se passe dans ta vie, eh bien, tu peux entrer dans cette instance. Ça demande d'élargir petit à petit le champ de l'ego et le champ de la vision de l'ego sur ces événements. Oui. Et comme dit Laurent, et j'allais le dire d'une autre façon, tant que l'exo n'est pas réalisé, l'épreuve reviendra. Ouais, c'est l'univers qui continue à monter le son. Oui, voilà, le volume. Tu peux te dire, ah oui, tu peux te dire, ah oui, oh là là, ça j'ai déjà vécu. Et c'est pas suffisant. Ça veut dire que là, on va y arriver. Tu vois, l'ego qui contrôle, qui va sortir les mécanismes de défense. Si tu revis la même épreuve, tu vas te dire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Tu te détaches des sentiments, tu t'isoles, hein, parce que tu crois être seul à traverser cette épreuve. Et tu te sépares de ton énergie de vie et du monde. D'accord ? Alors que l'âme est là pour te dire lâche. Il y a zéro certitude à avoir. Il y a peut-être une zone en toi que tu n'as pas explorée. Peut-être, alors, ne dis pas ça comme ça. Mais si on devait lui mettre des mots quelque part, c'est ça qu'elle propose. Va chercher en toi cette partie de toi qui sait. Qui sait pas tout, mais qui sait ce qui est bon pour toi. Tu vois ? Et dans certaines traditions, il y a des initiations pour démontrer et favoriser la mue de l'âme. Ouais. Hein, la mue de l'ego vers l'âme. Oui, il y a des traditions et des rites pour expliquer, pas au mental, hein, pour démontrer que c'est possible. Alors, si tu es sensible à cette instance, si tu entres à l'intérieur, hein, comme je dis toujours, hashtag rentrer à la maison, ici, parce qu'il ne se passe rien à l'extérieur,
Hein, alors que l'ego, il se régale, hein, parce que c'est la faute de ça, de ça, de ça, de ça. Il va dire, oh là là, c'est une fatalité, il n'y a qu'à moi que ça arrive, etc. Là, on est à l'opposé de tout ça. Au travers du langage que pourrait prendre l'âme, l'intuition, cette énergie, il va y avoir ton vécu. Il va y avoir ton expérience de vie qui va entrer en ligne de compte, qui va te rappeler que tu es singulier, que tu es unique, même si tu es relié. Et ici, on est tous concernés en tant qu'accompagnants, même si on n'est pas accompagnant, parce que c'est de ça qu'on va tenir compte. C'est de l'expérience singulière, la façon dont cette expérience a été vécue, peut-être la même expérience, mais vécue de mille manières différentes. Donc, c'est là que nous allons aller, c'est à cette instance que nous allons nous adresser. Tu vois. Bref, sans la notion de l'âme, on est des automates, en fait. On devient des automates face aux expériences. Hein. Et puis, on va dire, c'est la fatalité, c'est mon destin, etc., etc. Sauf que ça n'a strictement rien à voir. On a vu des virages à 360 degrés, hein, après un accident, après un événement familial. Donc, tout ça, c'est vraiment d'inclure tout ça et de lâcher les résistances. En fait. Est-ce que ça veut dire que quand on lui laisse plus d'espace et de place, quelque part, on reprend les rênes et on reprend le... Ouais, alors, reprendre les rênes, non, je dirais, c'est pas la bonne expression, Alex. Il n'y a pas de rênes à reprendre, parce que là, ça serait le contrôle. Ça serait que tu veuilles encore contrôler quelque chose. Comme dans c'est le sens, ouais. Le flot, le flux. Tu vois, les rênes, elles sont anciennes. Oui, l'expression est pas bonne. Ah, la nuance. Tu vois, voilà. Voilà, c'est ça les résistances. Si tu t'accroches à toutes les résistances et à tes certitudes, parce qu'on en a eu besoin de certitudes pour avancer, tu vois. Or, là, il est peut-être temps de se mettre à nu, vraiment. Et, non pas de se mettre à nu dans le vide, c'est que vraiment, c'est ce passage, cette traversée qui t'emmène directement au soi. C'est la troisième partie. Le soi qui va honorer toutes les expériences de vie, et on l'appelle le soi créateur. Donc on va mettre des mots sur ce qui se passe de façon très subtile. Le soi créateur, c'est-à-dire que tu peux y trouver aussi l'expression d'une intégrité, de ton intégrité. Tu vois, c'est là où tu entres dans ce processus d'individuation, c'est-à-dire un individu relié, pour autant autonome, singulier, unique. Comment tu définirais alors cette notion d'individuation ? C'est ça ? Un individu, donc, unique, pour autant relié et autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de masque. L'expression de ton intégrité. C'est ce que nous faisons avec nos clients, de les ramener à la source, de les ramener à qui ils sont vraiment sans masque. Mmh. C'est là où on commence à vivre sa singularité, c'est-à-dire sans blocage, sans résistance. Le soi, c'est ça. Le soi, c'est le trésor retrouvé, le trésor en toi. C'est très poétique, hein. Et c'est très juste, et c'est très vrai. C'est là où tu vois le bon, le beau, le vrai en toi. Mmh. Tu vois, c'est la partie la plus intègre de qui tu es. C'est ça le soi. Et c'est ça qui te permet d'être qui tu es et de vivre ton unicité, ta singularité, sans être divisé, sans être séparé des autres. Ça, c'est un peu le chemin proposé à tout le monde. Chacun à sa façon. Mais... Oui, en tant qu'accompagnant, c'est ce que tu proposes. Tu vois.
Et pourquoi je parlais de cette instance, de partie qui sait? Parce que finalement, tu t'aperçois que mais il y a tout à l'intérieur. Tu as mis des remparts pour pouvoir avancer. Tu vois, comme nous, quand on met un casque pour pas se heurter trop brutalement. Et puis, à un moment donné, les fissures, les failles, et hop, tous les remparts s'effondrent, en fait. Tu vois, tous les remparts s'effondrent. Alors, psychologiquement, ça change tout. Émotionnellement, ça change tout. Quand on parle d'alignement, c'est juste ça, l'alignement. Et ça va être en même temps, ça va être aussi libérateur que dur à accepter. Pourquoi dur? Parce que de lâcher toutes les résistances, de se voir de nouveau dans un miroir, mais avec un nouveau regard. Tout à fait. C'est la proposition. C'est passer du particulier à l'universel, tout en étant singulier, unique. Tu as entendu dans, tu lis dans des bouquins, tu entends, tu écoutes, tu lis des posts, etc. Retrouver son essence. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est ça. T'as enlevé les masques, t'as enlevé les remparts. Parce qu'en fait, tu as cru que tu contrôlais, en fait, ta vie, le monde. Et ça induit la responsabilité, cette fameuse responsabilité d'être qui tu es. Ouais. Tu vois le déroulé. Oui. Après, j'imagine aussi que ça doit être... Ça doit amener une remise en question totale sur les relations qu'on peut avoir. Tout à fait. Et après, avec aussi le risque à accepter de devoir tout, pas envoyer valser, mais devoir tout repenser. Et avec aussi des personnes en face qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a lui maintenant là? Alors, tu peux faire des petits allers-retours dans la partie égotique. C'est pas un problème, tu vois, il n'y a pas de règle qui dit je vire mon ego, parce que plus tu veux virer quelque chose, plus tu fais focus sur cette chose et plus elle se renforce. Donc quand tu parles de flow, Alex, c'est vraiment ça. Peut-être aussi de percevoir ton environnement le cœur ouvert, tu vois, sans jugement, oui. Sans clivage. Tu vois, quand on a parlé d'ego spirituel, l'ego spirituel, c'est de dire, oui, mais nous, on sait, tu vois, tu m'as fait part d'un exemple, nous, on sait, et puis, bon, il y a la cour, là, tu vois, qui ne sait pas. Ça, c'est l'ego typique. Là, c'est tu entres dans le flow. Tu peux aussi accéder à ce qui est bon pour toi, en termes de relation, en termes de métier, en termes de vocation, en termes de choix de vie. Tu peux être attiré par le vrai en toi. Tu vois. Et tout ça en tenant compte de l'expérience, du vécu, bien évidemment, tu vois. Et tu peux surtout goûter et te vautrer dans la liberté d'être, surtout. Quels que soient les événements. Alors, ça n'implique pas non plus d'entrer dans un monde de bisounours. Mais cette responsabilité, c'est la responsabilité aussi de faire des choix pour toi. Mmh. Et de savoir, de vraiment de conscientiser que d'accepter qu'une crise, la prochaine crise, serait une opportunité. Oui, d'ailleurs, ça veut dire, en chinois, ça a la double sens. Crise, ça veut dire... Oui. Danger, mais aussi opportunité. Ça veut dire choix. Crisis, mmh. Ça veut dire choix. Ouais, quand on dit je suis en crise, c'est qu'il y a un vrai choix à faire qui se propose, quoi. Donc, ça n'implique pas non plus, tu vois, Blanche-Neige, Cendrillon et tout ça. C'est pas un conte de fées parce que tu te connectes à cette instance. Simplement, ça modifie, ça transforme
la perception de la vie, tu vois, qui te propose des obstacles, des épreuves parfois, et d'accepter que ces crises sont des opportunités de renaissance à soi, en mouvement permanent. Tu vois, comme cette petite vague qui ondule et qui est en mouvement permanent. Oui. Et de la même façon que des fois, tu peux voir l'océan qui est d'un calme qui ne bouge pas, mais tu crois que ça ne bouge pas, mais ça bouge forcément en profondeur tout le temps. Et pendant que nous échangeons, tout est en mouvement à l'intérieur. Tu vois. Le cœur continue de battre, le sang circule. Tu vois, c'est le mouvement permanent. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est cette proposition-là. Tu vois, c'est... Alors, parce que c'est bien beau d'en parler, tu vois, le mouvement, la transformation, la renaissance à soi, l'essence de soi. Et tout ça se tient. Et quand tu comprends le sens originel de tout ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la valeur de la vie, de ta vie, le sens même de la vie. Et là, il y a plein de choses qui... Pouf, tu vois, qui... Tu dis, alors, je ne vais plus pouvoir porter de jugement. Alors, qu'est-ce que je vais faire à la place? Parce que ça occupe pas mal mon temps quand même. Ouais, alors, je vais m'ennuyer. Alors, tu vois. Mais oui, tu vois, ça chauffe un peu. Ben, c'est possible. Il y a Zala, quelle puissance ce live. Ouais, merci Zala. Gaël, tout à l'heure, c'est pas dur, c'est doux, c'est un espace serein et confiant avec la vie. Oui, c'est une invitation. Et Laurent, il y a un regain d'énergie souvent quand tu reviens en phase avec toi. Il n'y a plus de porte ou de barrage, ça semble facile. On se rend compte souvent que finalement, on s'auto-bloque. Ah oui, ça pour s'auto-bloquer, on est doué. Hein. C'était Vaslavik qui avait écrit « Faites-vous-même votre malheur », tu vois. Et effectivement, quand tu énumères tout ce que te propose l'ego, c'est que ça, c'est du contre, c'est du non, c'est du pas, c'est oui mais moi, je vais y arriver, yo, tu vois. Et tu te sépares. Tu ne sais pas, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais effectivement, à la rencontre de clients, oui, mais moi, ce n'est pas pareil. Tu vois, style, il n'y a pas de solution pour moi. Oui, mais c'est un nom déguisé, ouais, déjà. Tu vois, en tant qu'accompagnant, on cherche juste à te ramener à cette source-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pratique, c'est te ramener à ça. Il n'y a rien que tu ne puisses pas dépasser. Tout dépend de la façon dont tu perçois l'événement. Alors, ça peut être... la perception, elle peut être « Ah mon Dieu, c'est une catastrophe !» Et ok, c'est ok, il y a zéro obligation. Et comme on est quand même dans l'ego, l'âme et le soi, c'est important de mettre des mots et un cheminement, tu vois, avec des allers-retours, hein. C'est pas un concours de perfection. C'est vraiment de savoir ce qui est juste. C'est de la justesse, tu vois. Et puis, tout dépend... Des personnes qui ont l'eau ici, il y a des personnes qui ont l'eau ici, et puis quand tu commences à avoir l'eau jusqu'ici, peut-être, peut-être, tu vois, te proposer de traverser tes questionnements, les obstacles, etc., différemment. Parce que je répète, c'est une instance qui est vacante, disponible pour chacun. Et ça relève d'un choix profond d'y aller. Voilà. Parce que si elle est contrainte, et je répète, tu n'as pas compris, je répète. Et tu peux traverser une vie sans comprendre. Et c'est, tout est OK. Ouais. C'est une notion de choix. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'il est inutile de vouloir supprimer tous les remparts. Parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment un choix intime et la responsabilité d'un choix. Un choix. Tu vois, je me souhaite et je mets en place tout ce qui pourrait me permettre de traverser la prochaine épreuve de façon différente et me reconnecter à qui je suis
vraiment. Ouais, et ça peut être aussi, l'épreuve peut prendre n'importe quelle forme et n'importe quelle intensité. Toutes les formes. Il y a une grande créativité dans ce que propose le chemin. Ouais, grande, grande, grande créativité. Et surtout, de se relier à qui tu es et de se sentir relié, de se relier. Elle dirait, si on la laissait parler, elle dirait à ce moment-là, en tout cas, c'est ce que je vous partage comment je le prends, moi, elle dirait, tu peux t'en remettre à d'autres mains. C'est ça. C'est-à-dire quand tu es un peu encombré, tu vois, quand tu repars dans les 8 mai, etc., etc., oui, mémoire, blablabla. Là, tu pourrais entendre, écoute, lâche tes certitudes, lâche tes résistances. Tu peux t'en remettre en d'autres mains. En d'autres mains, à l'intérieur. Tu vois. Cesse de contrôler. Ça n'existe pas. Tu vois. Reprendre le contrôle de sa vie, j'ai jamais compris cette expression. Tu vois, j'ai jamais compris cette expression, reprendre le contrôle de quoi. Tu es en mouvement. Tu vois, c'est comme si je te proposais d'apprendre à nager en te disant, de toute façon, tu ne boiras jamais la tasse. Tu vois. Et quand, pour faire le lien avec... avec le fait de proposer de l'accompagnement. Oui. Parce que souvent, ça, c'est souvent moqué, le fameux coach qui coach, qui se fait coacher. Oui. Non. Est-ce qu'il y a une plus grande responsabilité en tant qu'accompagnant, d'après toi, sur alors, ce point-là? Non. C'est juste un choix, encore. C'est juste un choix. Alors, coach, qui se fait coacher. Bon, moi, j'en coach. Et coach. J'ai coach et je coach, j'ai coach. Je suis thérapeute et je coach des thérapeutes. Et ça, je trouve ça formidable. Et tu es bien placé aussi pour en parler. Parce que c'est important aussi de se reconnecter à son humanité. On n'est pas parfait. On est juste des personnes et des êtres apprenants. Et en chemin, que ce soit notre chemin de vie, de pro, perso, on s'en fiche parce que c'est lié, on est en chemin. Et puis, il y a des événements plus ou moins importants qui modifient aussi, tu sais, la façon de percevoir la vie. Tu vois, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps. C'est sûr que ce sont des événements qui t'invitent à te connecter à quelque chose de plus grand, de quelque chose d'universel, et d'accepter tous ces phénomènes-là. L'ego, il évolue aussi au travers de ces expériences-là. Tu sais, la sortie de l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, l'âge, la vieillesse, la maladie, la mort. Tu vois. Et tout ça, c'est initiatique. Ce sont des initiations qui t'invitent à questionner différemment ce que tu ressens par rapport à ça, quel est ton chemin, quel niveau de conscience tu atteins lorsqu'il se passe des choses comme ça. Et tout ça, c'est de l'énergie qui circule. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les résistances, le clivage, tu sais, la séparativité, représentent une énergie compressée en soi. D'où les fatigues chroniques, et puis comme on avait tout à l'heure, les pathologies, et puis le débo partout, etc. Quand tu libères toute cette énergie compressée, là, je répète, tu es dans le flow, et je sais que ça te parle, ce flow. Me parle aussi, tu vois, ce flow, c'est laisser circuler la vie, vraiment. Et je répète, c'est pas d'être parfait, c'est d'être juste envers soi-même. L'acte 1, de façon à être juste dans les accompagnements. Pour répondre à ta question, c'est un processus, bien évidemment. C'est un processus, c'est-à-dire une succession d'étapes chronologiques, bien évidemment, tu vois.
Et c'est important de garder ça à l'esprit. Je répète, on n'est pas différent. Quand on est mal, on a envie d'être bien. Moi, je ne connais personne qui ait le goût et qui kiffe de souffrir. Je n'en ai jamais rencontré. Tu vois? Ou alors, c'est une autre pathologie, ça. On est dans la psychopathologie. C'est autre chose. Ça existe. Et à la fois, ces personnes-là ne viennent pas se faire accompagner. Donc, tu vois, personne, enfin, au fond, si tu réfléchis bien, personne ne demande à souffrir. Ou, tu vois, personne. Donc, il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui dit, voilà, j'aimerais bien me libérer de ça. Et ça ne passe pas par « j'aimerais bien ». Ça passe par le chemin, la reconnexion à soi. Le soi, c'est le trésor. Le soi, c'est le trésor.